Connard! Je t'encule, t'as compris? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hé hé, je suis un pro des mitrailles, moi! Alors attends. Parce que là, il y a un truc à faire. Hein. Tu te rends pas compte, mais il y a un truc à faire. Ah bah c'est là, je suis con. Oh putain! Ça t'a fait monter. Allez, hop. Ah! Non, faut pas monter. Faut aller là. Hey. Eh, c'est sympa, on dirait un truc à un cas, dis donc. Aucune trace d'elle. C'est soit très bon signe, soit très mauvais. Bon bah, c'est très mauvais alors. Allez, crève, connard. Allez, où est ça? À gauche! Excellent. Putain, ils sont cons, ils vont dans le mur direct. Oh, merde. De toute façon, je m'en doutais quand on n'avait pas. Putain, elle est sauvage, hein. Oh, voilà un livre. Ça va derrière? Conduis! Attention! Ah ah. Ah, d'accord. Attention! Merde! Oh putain! Bon, attendez, oui. Non. Conduis! Attention! Ouf! Hehehehe
J'adore ce passage. Eh bien salut à tous, bienvenue dans ce numéro 4 de ce Let's Play série sur Uncharted numéro 1. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super. J'avais hâte de reprendre la série et puis de continuer l'aventure avec vous sur ce premier Uncharted. On va continuer l'aventure. On était rendu à l'épisode 9. Si mes souvenirs sont bons, hein, c'est arrêté après l'épisode, après pas mal de scènes d'action avec le jet ski, la voiture. En prison c'était assez long puis chiant parce qu'il y avait pas mal de. Allez, on est parti. Alors on s'est arrêté là, on continue. Voilà. Je me concentre pas. Ça peut le faire, et you. Il va me voir d'ici. Bon, attends, on va se cacher là. Je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Parce que j'ai eu des petits bugs avec mon. Et le gâteau. Ouais, je sais pas s'il me faisait là aujourd'hui. Connard. Enculé. Voilà, bah c'est du jeu tranquillement et doucement. Pff, putain. Ouh, ils sont. Merde. Ils sont nombreux ici, hein. En fait, le chapitre 8, c'est allé avec le chapitre 9, en fait. D'accord. Tac. Bah, on va éviter de parler moins fort, hein, comme je vous ai dit, hein. Éviter de parler moins fort pour moins gueuler. Toujours, je trouve la mobilité des trucs sont pas bonnes, quand même. Voilà. Voilà. Oh. Oh. Voilà. Un autre là-bas. Merde, con, avance. On voit le corps, trop marrant. Excellent. Ah, maintenant, faut repérer où. Oula. Bon, j'espère que cette conne d'Elena là va pas. Chier longtemps encore. Non, c'est pas où, c'est pas là, c'est où? Bah, y a une porte. Ça doit être là, non? Attends, toi, on va te quitter parce que. Doué comme je suis, je serais capable de. Non. Bah. Ah, L2. Tirer sur les poids.
pouce. D'accord. Ok, vous avez trouvé. Bon, vous me direz, c'est normal, je connais pas le jeu. Hein. Alors, je regarde ma capture si elle bug pas, parce que tout à l'heure elle a bugué. Il faut que tu ailles à cette tour. Je te retrouve au poste de douane. Bah oui, démerde-toi bien sûr. Et en plus, j'ai plus d'armes. Il est là. Ah bah oui, ah bah tiens, ça commence bien. Bah tiens, ça commence bien. On va se cacher dans l'eau parce que. Voilà. Achève-le. Il a plus de munitions. J'aurais essayé au moins. C'est pas grave. Il est là. Mais comment veux-tu? J'ai plus de balles, je peux pas, ma poule. Je vais voir. Ouf, voilà. Ça pourrait être utile. Prendre ça. Prendre ça. Attends, j'ai une arme là. Ouais, d'accord, c'est une lunette. Oh putain. Oh, ils sont deux. Fuck. Ça comme pistolet. Crève connard. Tu vas crever, alléluia. Alors, attendez. D'accord, j'imagine qu'il faut sauter. Voilà. Non, on peut pas aller là. Je suis certain qu'il faut grimper. Ou alors faut plonger. Oui, bah faut aller plonger en fait. Je me fais chier pour rien en fait. Hein, Oh non. Comme ça. Putain, je préfère aller dans l'eau parce que. Oh putain, il m'a eu. Les connards. Pouf. Bon, alors, on va aller là. On va continuer.
Ça va faire mal. Connard ! Voilà. On prend nos balles, on prend des balles, on prend des munitions, on prend une nouvelle alarme. C'est parfait, on a ça, ça, ça. Bon, il va encore avoir des merdes, je le sens bien. Non, bon. Bon, ici, il faut grimper. Là, faut grimper, c'est pas possible. Ah là là, qu'il faut pas faire. Hein. Alors, oui, je voulais vous dire ça. Ah, déjà commencé à préparer pour le Uncharted 2. Vous allez me dire déjà, putain, attends, t'es co-1, t'as même pas la moitié du jeu, tout. Mais je préfère prévoir à l'avance, comme ça je suis tranquille. Et là je le sens pas. Au moins, j'ai déjà au moins le générique de préparer tout pour la suite. Voilà. Ah bah tiens. Ouf. Ouh, ça fait mal ça. Ouh là là. Surtout le coup de fusil à pompe, ça fait mal. Plus personne. Je sais pas, je le sens pas là. Oh génial. Il sort de nulle part, lui là. Oh putain, oh, putain. T'as... Tiens, poulet. Montre-toi, enfoiré. Enfoiré, je t'emmerde. Mal. Bon, pour moi, je suis bien parti, je trouve. Ouais, je joue calmement. Putain, les ruines, je déteste ça, les niveaux dans les ruines. Putain. Ce qui manque, c'est une bonne vis automatique là. Mais ce sera un petit peu de la triche. J'adore, il tire dans le vide. Alors que je suis caché. Non! Comme ça, je préviens que je suis là. Coucou, je suis ici. Où ça? Bah en haut. Mais je te vois pas. Mais si, je suis là-haut. Mais il est pas mort. Oh, oh, non, pas ça. Tiens, connard. Oh non. Boum. Merci. Voilà, merci. J'ai plus d'endroit pour me cacher. Je le vois. Fils de pute, t'as encore balancé un truc, non? T'es où, enculé?
Oh putain, je l'avais pas vu celui-là. Oh putain. Oh, ils sont méchants eux. Hein. On va se cacher, on va essayer de niquer ce connard. Oh, ça me coule. Fais pas le con, tu vois. Voilà. Putain, j'ai plus d'armes. Ouais. Magnum. Pas Magnum, la glace, hein. Non. Il se met la gueule, lui. Oh là là. Bon, les gars se sont calmés. C'est parti. Sympa. Ouais. Bon, je sais pas quoi prendre en fait. Bah tiens. Petit avorton. Ah. Allez-y. À la brèche. Ok, bien. Calmez-vous. Oh. Des munitions, heureusement il y en a ici. On va te changer, on va prendre ça à la place. Il y a un petit peu plus. Bon, maintenant il faut aller dans la tour, j'imagine. Hein, pas si compliqué que ça. Et voilà, c'est qui me dit encore dessus. Putain, mais il vient me faire chier même quand je suis dans la tour, lui. Je le vois. Allez, ma poule. Rampe. Si on peut faire jusqu'au niveau, jusqu'au chapitre 11. Ce serait cool. Ok. Et maintenant ? Ah oui, d'accord. On regrimpe. Alors, j'imagine qu'il faut... Non ! Oh, con ! Putain. Putain, et en plus... Attends. Attends. Oh, je suis où, là ? Y a un mec là? Non, c'est là. Oui, non, c'est là. Putain, j'aime pas la manipulation du jeu. Je la trouve chiante. Bah personnellement, après c'est mon avis perso. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais de merde. Vous voyez, c'est ça qui est chiant, c'est que tu fasses un seul petit geste, tu pars en couille quoi. Voilà, ça c'est chiant, hein, déjà, hein.
Voilà. Ah ouais, et maintenant? Faut sauter? Non. Je pense qu'il faut retourner en arrière. Voilà, faut faire ça. Oui, il faut retourner en arrière. Wouhou. Attends, attends, il y a un truc là. Ah d'accord. Mais faut pas que je tombe là parce que là il meurt. Vous êtes prêts? Go! Obligé d'aller. Recule. Bon, trouvons le port et espérons que le bateau est toujours là. Ouais, chapitre 10. Voilà. Bon, j'ai pas trop ragé pour le moment. Ça c'est plutôt cool. On va aller jusqu'à... On va faire de 10 et 11. Puis je pense qu'après on s'arrêtera, hein, parce que moi j'ai pas envie de me taper. Alors attends, que je réfléchisse. Trouve le port. J'imagine qu'il faut descendre de toute façon. Pas légalement. L'autre elle se pète la gueule comme une grosse merde. Cinématique. Waouh! Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Calao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna. La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado.
Voilà. Alors, on continue. Il nous a parlé de Eldorado, la page de du livre, de sa bague, là. Le Vlar ! Ah bah oui. Il tient un petit touriste, il se promène. Bon. Pour le moment, j'ai pas trop ragé. Je suis assez content de moi. Tête. Oula, j'ai crevé là. C'est plus rapide. J'adore. C'est plus rapide et puis comme ça, moi, c'est fait. Oh putain! Continuons. Le voilà. Il est là. Le voilà. Ça le fait. Mort. On recommence, allez. Putain, ça devient chaud. J'aime pas ces passages-là, ça m'énerve. On se met là, ça sera mieux. Et on va lancer une petite grenade. Même pas. Les voilà. Mais il est où, lui? Ça c'est la meilleure, c'est du ouf, je le vois pas. À terre. Mais l'icône elle est... Mais cache-toi. Mais elle est blonde, hein, celle-là. Ah non, on veut pas ça, moi, je veux le fusil. Ah ouais, je peux faire. Oh, il y a un truc, là. Parfait. Alors... Maintenant. Allez, 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 Lady and Gentleman. Ah. Je vois pas de bateau, Nate.
On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Eh, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrai pas ici que tu... que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Petite coquine, elle veut rester toute seule. Mais qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? C'est quoi ça? C'est pas si énorme, c'est très bien. Oui, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'éclate tout seul. Voilà. Ah, j'adore ce passage-là où il faut sauter. Oh là! Putain, j'ai eu peur! Oh putain! Viens voir! Oh putain, il y a la porte. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Bon, on va bien passer la caméra. Oh putain. Oh là là, c'est pas grave. Allez, concentre-toi. Un passage à la con, je crève, mais c'est vraiment con, quoi. Voilà. Ouais, super. Le truc à la con, hein. Tu vises la porte pour passer, puis non, en fait, tu peux pas parce qu'il y a un... parce qu'il y a un putain de bug à la con. Voilà, on va recommencer. Voilà. Voilà. Des mecs, c'est pas grave. Ouf, chapitre 11 déjà. Ouais, mais là je le sens pas là. Franchement je le sens pas. Tu vois quand il y a, tu vois plein d'armes et plein de trucs comme ça. Non mais j'y crois pas. Il est piégé. Oh, c'est... Moi aussi j'y crois pas. C'est bizarre, hein, je le sentais bien qu'il y aurait quelque chose. Toujours dans l'hôtel Verdier. Bah tiens. Ah là là. C'est bizarre, hein. Je le pressentais bien qu'il y aurait quelque chose de quelque chose. Il est là. Ça va faire mal. De les avoir d'ici, il y en a deux là. Calme un petit peu. Il y en a un là-haut là qui me casse les couilles.
Oh non. Ça va. Ah, d'accord. Arrêtez-le. Ah ouais. Comment je tue, moi? Putain, ils ont dû faire... Quoi? Il était où? Putain. Bon, on va se calmer, hein. Putain, ce truc qui m'éclate, c'est que regarde, tu descends. Coucou, on est là. Pourquoi vous sortez pas quand je suis en haut, hein? Un truc. C'était plus pour dire « Je suis vivant! Regarde, je suis là! Ah, moi, je t'ai niqué! » Oh là là là, oh là là! Oh non! Oh, on va se casser. Ouh! Sympa! Tiens. Oula. Bon, en plus je suis pas un pro sniper, moi. Bon, t'arrêtes de bouger, viens. Viens ici. Mais il... Ah, au, au. Qui me tire dessus? Il tire quoi? Il est touché. Bon, il va se calmer tout de suite, hein? Parce que ça va pas le faire. Voilà, hein, je te le dis tout de suite, tu vas te calmer. Puis toi aussi. Dans ce flingue. Oh merde, loupé. Oh. Voilà. Je vous ai niqué. Youpi. Vous avez vu, hein, je rage pas, hein. J'ai quoi comme arme? J'ai ça, ça, ça. C'est bon. Voilà. Voilà, pas derrière. Il est là-bas! Oh putain, il y en a d'autres.
Il est là. Oh non. Ça va faire mal. Je vois. Putain. Putain, mais ils arrivent par où? Ah, ils vont tout recommencer. Ah, j'ai compris, ils arrivent par en haut. Bon, bah, tout fait face, je vais courir, ils vont me foutre là-haut. Et, mais de merde, ils recommencent. Ça va. J'ai tout promis. Oh, tu peux pas me cacher maintenant. Toi, ta gueule, hein, tu peux même casser les couilles aussi. Enfin, on va poser ce mec-là. On prendra. Ça c'est bon ça. À l'abri. Ça c'est bon aussi. Ça c'est moins bon. Magnum, j'adore cette arme là. Ouais. On se casse. Allez, 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 cours, cours, cours. Il y a pas où ils arrivent. Regarde. Tu m'étonnes, je me fais niquer. Ça, c'est 6 dames que j'aime. Enfin, on va se barrer. Comme ça, ça sera fait. Oh ta gueule. Voilà. Connard. Je vais pas te niquer parce que j'ai pas envie. Alors, on va continuer. Ah bah, bateau. Bah, voilà. Chargez tout ça sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate! Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi qu'on traîne par ici? C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis?
Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'il bosse pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Vous avez compris? On lui casse la gueule. Bon, alors, attends. Là, il n'y a rien à récupérer. Et franchement, il y a des belles photos à faire. Hein, de capture. Oula. Putain, mais les connes, c'est en plein milieu. T'es conne ou quoi? Ça devrait les réveiller pour de bon. Oh là. Putain, c'est vraiment une blonde, quoi. C'est pas possible. Pourtant, j'ai rien contre les blondes, hein. Arrêtez-le! Sur lui! Ne laisse pas s'échapper! Connard! Alain! Ouh, j'ai eu chaud! Hop! Bah oui, je suis mort. On va crever. Les voilà. Connard, je t'ai niqué. Elles défendent bien, petite, hein. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas... Je sais pas, quand même, j'aime pas trop. Je préfère encore un bon fusil qui tire. Qu'un truc à lancer des grenades, là, c'est pas... Moi j'aime bien fouiller, moi alors. Je pense que c'est par là. Bon, je pense, dès qu'on a fini le chapitre 11, on va aller au chapitre 12. On va s'arrêter au chapitre 12. Tac, et on va passer le pont. La, 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 je marche sur un pont. Un truc pareil a pu arriver. Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas! Donne-moi ton autre main! Il faut que tu la lâches! Mais merde! Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Oh merde, elle est pas tombée. Non, je déconne. Bon alors, on avance tout doucement, voilà. Et puis sa caméra, elle est morte, hein. Là, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Elle est foutue. Ouais, bah, il faut aller là. Attends. On vient de là? Ah non, on vient de l'autre côté. Ah putain, ça ressemble à mort. Ah ouais, putain. Putain, quand il marche, j'adore quand il monte les marches, putain. On a l'impression qu'il a mal au cul, quoi.
Allez, c'est parti. Continuons. Chut, faut pas faire de bruit. Les voilà. Voilà. Hop, il y a un truc qui bouille là-bas. Regardez. Un trésor d'or trouvé. C'est toi le prochain. Voilà. Allez. Voilà. Il est mort. Vous pouvez remarquer en direct que nous avons un mort. Et puis nous retournons en scooter de mer. Elle est où, elle? Mais qu'est-ce que... On peut pas se barrer, pénard. Bon. C'est ici qu'on va s'arrêter. On se retrouvera la semaine prochaine pour le chapitre 12, 13, 14. Là, on a fait le 9, 10, 11 et 11. 9, 10 et 11. Voilà, j'ai fait 3 chapitres, ça suffit, je pense, hein, ça fait assez. Vous avez vu pas mal d'actions, tout ça. Je sais, on va me dire, c'est trop court. Merci Carolo pour déjà le commentaire que tu voudras mettre. Je continue à fouiller quand même pour des armes pour la semaine prochaine. Pour vous avouer, j'ai eu un petit bug avant de commencer la vidéo. Parce que, bien sûr, mon Elgato a pas voulu bien capturer. Il a complètement bugué à mort. La semaine prochaine, on se retrouvera ici. On commencera une aventure avec un jet. Et je sais pas où ça va nous amener. Je peux pas vous dire plus. Puis de toute façon, je connais pas le jeu. C'est, pour moi, c'est complètement 100% découverte. Je pense qu'on est au milieu du jeu, je pense. Parce que 12e chapitre, ouais, on est au milieu du jeu. Et vu que c'est des petits chapitres, peut-être qu'il y en a qui sont assez gros. Je pense que ouais, on est au milieu du jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon let's play vous plaît. Et puis voilà, hein, sinon laissez des commentaires, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis vous dis à bientôt, allez, ciao.